Dieu, avec une épée. Ben, on est parti pour notre première mission dans le jeu. Pour ceux qui n'ont pas encore vu avant, il y a une émission avant, donc le début de l'histoire, pour que vous puissiez comprendre, évidemment. N'hésitez pas à les regarder, je pense que c'est quand même important de savoir pour l'histoire. J'espère que vous prenez toujours autant plaisir, parce que moi j'en prends énormément avec ce jeu pour le moment. Enfin, il y a quelques petits trucs qui me chagrinent, mais je me dis que je peux pas m'arrêter comme ça tout de suite aux premiers abords et à mes premières impressions brutes. Donc on va quand même avancer dans le jeu et je pense que je vais apprendre à apprécier ces nouveaux talents, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous me regardiez. N'hésitez pas, laissez un commentaire sur Facebook, un clic en trop, sur YouTube, un clic en trop aussi. Partagez, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Likez, tout ce que vous voulez, merci. Un grand pouce vert pour vous. Alors, on est maintenant à la suite, au quartier de la distillerie. Distillerie ou distillerie? Distillerie, je crois. Le grand superviseur Campbell. Le grand superviseur Campbell est à la tête de la milice religieuse de la ville. C'est un allié proche du Lord Régent, donc celui qui a voulu le tuer en gros. Complètement corrompu. Voilà, on y est. Il conserve le secret de l'endroit où se trouve Emily. Infiltrez-vous dans le bureau, volez le journal, éliminez-le. Un allié de loyaliste Martin y est retenu prisonnier. Libérez-le et aidez-le à s'échapper. Ça fait beaucoup, mais on le fera. C'est notre but. C'est nous le héros. C'est pas le petit chat à côté, c'est nous. Ce sera pas facile. Ce sera pas facile. Il suffisait de remonter Clavering Boulevard, mais plus maintenant. La moitié de la ville a été balayée par la peste. Et les survivants se disputent les restes. Super. La garde urbaine tient encore les principaux axes, et elle a placé des portails foudroyants partout. Ces trucs vous crament. Portail foudroyant. Bah déjà, ça me plaît pas du tout. Ce que la garde urbaine ne contrôle pas est tombé aux mains des gangs. Et puis il y a des originaux qui vivent en marge, comme Mamie Chiffon. Mamie Chiffon, déjà l'envoi du rêve, quoi. Je sais pas ce qui est pire. Faites votre choix. Ah, on a du rail ici. Direct. Hop là. Alors. Où est-ce que je dois aller? Par là. Parler à Mamie Chiffon. Voilà. Bon. Chouig, chouig. Tiens. Ta soeur, le rat. Je suis un violent, moi. Ça, c'est pour tes petits frères. Oh oh. Bon. Yosh. Voilà. La violence, ça ne résout rien. Mais bordel, ça fait du bien. Hop. Tiens. Bon. Par contre, le jeter dans l'eau, vous avez vu, ça fait énormément de bruit. Oh. Ouais. Et je suis. Et. Ah ouais. Et. Voilà. Parce qu'il faut se battre à l'épée. Il y en a qui me balancent des trucs. Ça commence à devenir la foire à la saucisse ici. Parce que moi je veux bien être gentil, mais s'il faut sortir l'arbalète et tout défoncer à l'arbalète ou au flingue, on y est. Hein. On y va. Hein. Pas de problème. Hein. C'est une blague. Putain, moi je suis gentil et tout et on m'attaque. Portail. Attention, citoyen de Dunwall. C'est beau, c'est bien foutu quand même ça. C'est con, hein, mais... de notre vénéré Lord Régent. Bon. Alors, jouez à votre manière. Passage. Il existe plusieurs moyens de franchir ce portail. Désactivez-le en retirant le réservoir d'huile. Oui. Grimper sur les caisses et passer par le toit. Ça peut être ça aussi. Trouver un autre chemin en passant sur les rues sur la droite.
ou posséder un rat et emprunter le petit tunnel. Là 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 là. Je suis au regret de vous annoncer que mon mandat de régent a été fait au moins 6 mois des récoltes. En outre, la crise actuelle m'oblige à maintenir en poste des superviseurs de l'abbaye. Là, quelque chose ici. Bon, l'avantage, c'est que du coup, on peut. Et où le. Grâce soit rendue au grand superviseur Campbell, leur supérieur, pour sa générosité. On est obligé de vérifier. Pas gratuit tout ça. Que le grand vide vous emporte, vous et Bottle Street. C'est que je pourrais tuer des gens à l'arbalète ici. Et franchement, c'est ce que je devrais faire. Peut-être pas avec une arbalète avec des munitions explosives, hein. Coco. Voilà. Je suis trop lourd. Fuck. Ouais. Bon. Du coup, j'ai ameuté la garde. C'est pas grave, on va descendre. Lâchez-moi. Il y a quelqu'un là. Hey. Je sais pas vous dire si c'est un gentil ou un méchant. Pas utiliser ces termes là, mais j'aime pas voyou. Être contraint à la violence. Hey, toi avec le masque. Il est sérieux lui? Tiens, ta soeur Biatch, tiens. Et toi aussi. Non mais tu t'as cru que t'étais chez moi ou quoi là? Mais sérieux lui. Ah je suis gentil et tout. Ah. T'es sérieux là? T'as, j'y crois pas. On a des cadavres partout. Bon. Au secours. Il y a un gars quand même dans le coin. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un, ouais. Ce serait bien de le sortir de là, lui. Lâchez-moi. Je sais pas comment. Report any sickness. Highly the plague is punishable by y'a death. Quelqu'un? Ok, super. En gros, si on planque le fait qu'il y ait la peste, donc si on a la peste, on doit le signaler. Sinon, bon, on est mort. Au final, c'est très bien. Bon, par contre, le fait de pouvoir un petit peu se balader comme ça partout, je trouve ça très 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 bien fait. Ça ne limite pas du tout le jeu. J'aurais voulu me faire le garde là, mais c'est pas grave, on va pas faire les. Le problème c'est que je peux pas rater mon coup, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, je suis du genre à rater mon coup. Et voilà, je suis du genre à rater mon coup, je vous l'ai dit à l'instant. Bon, la dernière sauvegarde, je sais pas du tout où ça va donner. Est-ce que ça va donner? Bon, c'était bien, j'ai pas tout compris mais c'était bien. Bon, je dois faire super gaffe quand j'utilise ce sort, c'est quelque chose de fou. J'étais persuadé que ça allait être limite en fait, que j'allais me téléporter, que j'allais tomber sur la rambarde. Mais non. Pensez à sauvegarder souvent. Non, j'aime pas. J'aime pas se sauvegarder. D'accord. Ok, bon. Alors évidemment, on va penser à sauvegarder.
régulièrement. S'il veut vraiment faire ça, pas de problème. Boum, ça par contre c'est cool. Et voilà. Je vous trouverai, espèce de mixine. Oh, c'est dégoûtant. Vous pourrez pas rester caché pour toujours. Aide-moi à le trouver. Bam, t'es mort. Et toi? Tête dans ta tête. Carreau d'arbalète. Bon, par contre, je kiffe le concept de l'arbalète. Pour finalement, elle est pas difficile à utiliser. Je m'attendais à un truc plus chiant en fait. Enfin voilà. Ce qui fait que salut toi. Regarde, pile dans ta tête. Votre attention, citoyen de Dunwall. Ceci est un message. Ouais, donc ça, on l'a déjà vu. Donc je me permets de passer comme ça. C'est votre lord vite fait. Régent qui vous parle. Lancer. Je suis au regret de vous annoncer que mon mandat de régent a été prolongé au moins jusqu'au mois des récoltes. On va tenter de mettre. En outre, la crise actuelle m'oblige à maintenir un poste de superviseur de l'abbaye de Vidarus. Ils seront désormais habilités à faire régner l'ordre par la force. Oh, j'adore. C'est excellent. J'adore couper les têtes. Bon, par contre, je ne sais pas du coup si je peux passer ou pas. Oh, on va éviter ce genre de trucs. Hein ? Ce serait bien, non ? Pour éviter de mourir comme une merde. Bon, on peut sauter. Donc vous avez vu que j'ai utilisé mon pouvoir. Et je n'en étais même pas obligé. Ok, donc évidemment, ça rend les gens suspicieux. Cette maladie, ça rend les gens fous, agressifs. J'ai du monde là. Bim. Voilà, on a un mort. J'aime bien le concept de la mort silencieuse quand même. Oh, j'ai plus de carreaux. Lol. Bon. Évidemment, c'est quand je vais en avoir besoin qu'on en aura plus. Bon. Je m'attendais bien à un cul-de-sac. Bon, allez, hop. Écoutez, on va faire ça les choses dans l'ordre. Et chouine, chouine. Allez, hop. Je vais tenter de passer par en dessous. Je ne sais même pas, en fait. Pour... Non, là, la muraille, elle est bien trop haute. Je vais me péter le fionx. Bon, ça aurait été bien, par contre, de pouvoir utiliser l'arbalète. Alors, ici. Ça marche? À ton avis? Lâche-moi, Eber. Vas-y. Lance-le, ton putain de rat. J'étais quoi? Et pour... oui. Et voilà. Bon, hop, on va la jouer... Et voilà. Bon, est-ce que j'ai... Ah, j'ai une tête. Non. C'est pas bien ça par contre. Bon, là, évidemment. Je vais... Attendez, je vais sauvegarder. Parce que...
Si je rate mon coup et je me fais carboniser, ça va pas trop le faire. Hein. Voilà. Ok, je peux passer. On va vous avoir. Aux armes. Voilà. Et toi? Oh le salaud. J'ai pas de... Oh. Voilà. Bon, je peux même pas le piller, le gaillard. J'aurais aimé le piller. Bon, ce n'est pas grave. On va consommer... Voilà, une potion de vie parce qu'on est un petit peu low life. Bon, le charbon... On s'en passera, évidemment. Qu'est-ce qui se passe avec cette... Oh le con. J'ai failli enclencher l'alerte. C'est pas mal ça aussi. Ouais, ça aurait mis un petit peu de piment quoi. Donc je vais aller à Holger Square. Bureau du grand superviseur, le milieu. Ouais, donc là, ça c'est des astuces. Il n'est pas nécessaire de faire un bain de sang. Ah, si, si. Alors, le grand superviseur est à la tête de la milice. Ouais, bla. Bon, ça je vous l'ai lu tantôt, donc plus besoin de le redire. Éliminez le grand. Parlez au superviseur à Angel Square. Écoutez, regarde, déjà, on va courir, lui. Choui, voilà. Et le, t'es quoi toi? Ce masque vous va. Ah d'accord. Je sais qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Et je peux vous aider. Libérez-moi okay. Et je vous paierai un verre dans quelques jours. Je vous en paierai autant que vous. Bah ouais, forcément, t'es pas en position de faire le malin quoi. J'ai des problèmes de circulation. Utilisez le levier. Que diriez-vous? Voilà. Voilà. J'espère que tu me remercieras. Ça fait du bien d'être debout. Bah si t'avais une femme, je veux bien ta femme. Merci. Oh, alors on va négocier. Votre mission de ce soir est de la plus haute importance. Il faut trouver Emily, donc tuer Campbell. Et tuer le vite. Ça, j'aime quand bien. Quand ça sera fait, récupérez son journal. Son fameux livre noir. Ensuite, filez. Campbell s'entretient avec l'officier Curnow. D'après mon informateur, Campbell va vouloir l'empoisonner. Peut-être pouvez-vous en tirer avantage. Bien, je ne vous serai d'aucune aide ici. Je ferai mieux de retourner au Hound Pits Pub. Si je vois Samuel et son bateau, je lui dirai d'aller ouais. Le chercher dans l'arrière-cour. Derrière attendez, le bureau. Parce que j'avais... Ouais, bon bah tant pis. Parce que j'avais eu le cœur tout à l'heure qui réagissait. Mais ouais, regardez. Toujours si mauvais par contre hein. Ça on peut pas me l'enlever, c'est mon skill légendaire ça. Oh, c'est pas possible ça. Vous voyez je suis super bon hein. Et encore je suis pas fou pas les mecs, je vous le dis direct hein. Voilà, il faut que j'attende. La. Bien joué, Naiden. Bon, en même temps, je fais compliqué. Alors que je pourrais faire tellement plus ça. Bon, j'ai plus de mana. Super. Mais j'ai déjà vu le visage d'un stigmatisé. Un ancien membre de notre ordre. Et je n'ai plus de mana. Comment je peux faire? Dans un village de pêcheurs. Qu'avait-il donc fait? Qui peut le dire? Le stigmate est réservé au superviseur. Au grand superviseur. Ou alors je peux passer comme ça peut-être. Et mérite d'être banni à tout jamais. Mais tant que tu gardes sept canons à l'esprit, tu n'as rien à craindre. Oui, mon frère. Sous ça. Yosh, je veux pas tomber. Dis voilà. Je suis passé de l'autre côté. Moi je peux tomber en fait.
Bon. Alors, on a des gars. On va quand même s'équiper du pistolet au cas où. Grenade. Boum. Voilà. Ah, il est pas mort lui. Voilà. Allez hop, en deux. Et voilà, tiens ta grenade. Déguste, communiste. Ok, donc on a des superviseurs. Donc les superviseurs sont un peu mieux équipés quand même que les soldats de deuxième classe, a priori. On va tenter de passer. C'est pas quand bon. On va pouvoir. Plague by Holder City Watch. Stay away. Sur la gauche là, bah voilà, on a un copain là. Et je. Bim! T'es sérieux? Bah oui. Ouais, hop. Tu m'as fait perdre du temps. Ça va mal se passer pour vous quand je vous aurai trouvé. Plutôt. Ah ouais. Que quelqu'un vienne ici. Hey, il part bien. Tiens. Vas-y. En fait, j'en ai marre. Oh là, tu l'as pas vu arriver celle-là. Hein. Les combats à l'épée sont sympathiques et assez dynamiques pour pouvoir prendre du plaisir au niveau des combats. Parce qu'on peut, quand même, après tout, choisir ça. Allez. Comment on veut orienter le combat en fait, simplement. Voilà. Ça c'est bon. Oh, ok. Ce qui est quand même bien sympa au final. Parce qu'on peut, voilà, comme je viens de le faire, choisir de se battre à l'épée et puis changer d'avis et bim. Alors. Ok. On va passer par en dessous. Ouais, moi je suis comme ça, moi. Je suis sûr qu'il y a moyen. Sinon, ils nous mettraient pas un tunnel comme ça. Par contre, là-dessus, ils ont vraiment bien géré. Parce que on peut choisir vraiment tous les chemins. Enfin, tout. Ouais, on va dire ça comme ça, tous les chemins. Ce qui est vraiment génial. Parce qu'on n'est pas cantonné à un style de jeu qui n'est peut-être pas le nôtre. Qui apporte une bonne chose dans le jeu. J'en suis très très fort aise. Au chenil. Je ne sais pas. C'est par là que je dois aller. Je ne crois pas. Non. Bureau du grand superviseur. Ah. Il y a du monde. Voilà, je suis désolé. Je suis quand même encore un peu malade, donc encore et toujours. Bon. Je vais tenter de rentrer, mais je viens de me faire griller. Ouais, je vais avoir. Oh oh. Écoutez, on va y aller. À la bourrin. Oh ben lui aussi il va à la bourrin par contre. Voilà. Putain,
putain, il a mis l'alarme le coup. Voilà. Hey. Ouah, ça commence à devenir tata quand même, hein. Franchement les gars. Hop, alors moi. Ouais. J'aurais peut-être dû balancer une grue. J'ai été un peu à la bourra, mais bon, pourquoi pas. J'aurais dû m'aider d'un autre truc. Bon, par contre, je vais désactiver l'alarme parce que. Il y a un objet à 10 pas à proximité. Mètres, ouais, c'est devant évidemment. Il y a l'air d'avoir une place par là-haut. J'sais pas si vous avez vu. Je vais tenter d'abord d'ouvrir la porte, j'y crois pas. Oh, bah, magnifique. Ah, on a du monde ici. Super. Il a des bêtes là qu'à l'OPD. Là, on a évidemment le cœur qui réagit ici. On en est pas loin, les amis. 20 mètres. Ouais, sous-sol. Ouais, on est en sous-sol, évidemment. Bon, on a un livre là. Et on a. Je regarderai après pour le cœur et compagnie. Ça peut être une bonne chose évidemment de le faire. Ça, c'est indéniable. Mais je suis quand même dans une zone où je risque de combattre régulièrement. On va éviter le. Là, voilà. Voilà. Alors, au revoir. S'il vous plaît, quelqu'un, à l'aide! Tiens, j'aurais peut-être pas dû. Bon. Désolé, mec. J'en parlerai à ton chat si tu veux. Prends de l'argent. Ah ouais, moi je suis comme ça, moi. Faut pas laisser de l'argent. Tout le monde le dit. Les temps sont durs, les gens sont mal famés. L'éducation laisse à désirer. Voilà. Ah. Vas-y, tape. Ah ouais. Ah, tu veux la jouer en mode. Ah ouais, non, mais ça, tu. Ton flingue, t'oublie tout de suite, là, mec. C'est pas bien, toi. Alors. Carré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? R1. Pourquoi je le tue? Est-ce que je suis vraiment obligé de le tuer? Après, voilà. Chacun son trip. Mais là, bon, ils ont rien fait, quoi, ces gars. Pourquoi je le tue? Bon, nous y sommes à la salle de réunion. Allez, on va y aller comme un. Oh merde. Oh merde. Ah. Empoisonner les deux. Hop là. Partir.
Ouais, moi je. Sans pitié, quoi. Tu as participé aux fouilles la nuit dernière? Et comment? Swing. Hop, voilà. À mon avis, voilà. J'allais dire, je vais pas encore être tout seul. Enfin, ils font mal, hein, quand ils mettent un coup d'épée, par contre. Je pense que je suis pas tout seul. Voilà, je m'en doute. Vous allez saigner, soyez maudits. Ouais, il y a du monde. Hein. Bon, c'est bien, ça fait des cartouches. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà, le marquage des hérétiques palestiniens a été réservé aux superviseurs ayant commis des actes haineux contre l'ordre. Ouais, je vais pas tout vous lire. Mais je pense que vous avez compris de quoi il en retournait. J'aime bien cette expression, de quoi il en retournait. Alors, ici, on a, qu'est-ce qu'on, on a une pomme, évidemment. De Morlaix, attention, hein, c'est pas n'importe quelle pomme. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Hein. C'est une pomme de Morlaix. Extrait d'un livre. Ouais, bon. Ici, on va trouver des livres à foison, évidemment. Bon. Je me demande si, si les deux, là, ils ont déjà bu leur verre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que j'ai... Non. Peut-être ici. Attendre que Campbell entre dans la salle de réunion, rendre le superviseur inconscient. Ah merde. Bon ben c'est pas grave, j'ai tué Kernow. Bon je vais tuer les deux, c'est pas grave. Bon. Et eh ben alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bon je pense que j'ai fait le connerie, j'ai tué Kernow. Désolé mon gars. J'avais rien de personnel entre nous. Ah, salle d'interrogatoire. J'adore. Ça ressemble plus à un truc de torture que d'interrogatoire, mais allons-y. J'apprécie beaucoup. Ah, le tronc. C'est une bourse, salut. Ouais, superviseur. Bon, on a des carreaux, évidemment, le marquage des hérétiques. Je l'avais déjà lu, il me semble. Bon, je vais utiliser le phonographe. Le suspect est un homme, la trentaine plutôt mince. Stigmate, je vais des prendre. Des tatouages bizarres sur le torse et le visage. Des marques hérétiques, probablement. Il portait un genre de masque industriel quand on l'a serré. Sûrement dérobé dans l'une des usines baleinières. Wow. Ça ne nous rendra pas le Congo, en tout cas, évidemment. Mais il faut que je trouve les archives, non, je trouve la, parce que j'ai perdu la zone, Meeting Chamber, on y est. Bon, écoutez. Tiens, un domestique a dû la fermer en sortant, voyons. Ça n'a pas l'air d'être la bonne. Pas celle-ci. Non. Ah, la voilà. Si vous voulez bien me suivre... Je vais me cacher, on verra. Je serai relevé quand ce sera terminé. Trouvez-vous de quoi vous occuper en attendant. Bon, au final, j'aurais pu encore sauver mon ami. Désolé, mon petit capitaine Kurnaou. J'avais donné ma... Prendrez-vous du vin? C'est un rouge de... Ma parole à cette femme. Merci. De te sauver. Mais venons-en, en fait. Que s'est-il passé la nuit dernière? À vrai dire, je n'en suis pas sûr. Mes hommes, vos superviseurs,
Quelques belles de nuit, peut-être un peu trop de vin. Merde. Bon, ben voilà, salut. Bon, par contre, l'hôtel va me haïr. Bon, par contre, c'était pas obligatoire de couper une tête. Hein. Bon, trouver Emily. Ok. Récupérer. Ouais, ça c'est fait. Rejoindre Samuel dans l'arrière-cour du superviseur. Bon. Il va falloir que je descende, évidemment. Et je vais. Vous allez voir que je vais pas trouver aussi facilement. On va les escaliers ici. Voilà, vers Samuel. Voilà. Bureau du grand superviseur. Équipez-vous du cœur, machin. Ouais. Bon. Je dirais que je devrais prendre le temps de faire ça, de m'équiper de ce fameux cœur. Pouvoir comment dire avoir mes runes et mes équiper et améliorer mes pouvoirs. Mais tout a un prix. On avance ou on recule. Voilà. Bon. Bon, par contre, j'ai l'impression que je vais avoir tout la milice sur le dos. Ça va être quelque chose de folklorique. Alors, on va passer par les toits. Ça risque d'être beaucoup plus safe, j'ai envie de dire. Ah ben, il y en a mon passeur. Voilà, madame. Oh, punaise. Ça, j'aime pas du tout. Et si je lâche? Non, on va pas lâcher. On va éviter de faire n'importe quoi aussi. Hein, parce que je vais attendre que je suis un peu plus bas. Pour ne pas me tuer comme une merde. Voilà, donc c'est bien le cas. J'aurais lâché et je serais mort comme une merde. Voilà. Samuel. Parlez. D'après ce que j'ai entendu, Campbell a vécu dans le luxe. J'ai peut-être pas le droit de dire ça. Mais je pense que les hommes d'église ne devraient pas vivre comme des barons. Vous êtes prêts à partir? Bah, quand même, ouais. J'ai un petit peu tué le super méchant, là. Donc, ce serait bien de se manier, ouais, effectivement. Voilà, on a les statistiques. Ennemi tué, civil. J'ai tué un civil. Nul. Les alarmes déclenchées, 4. Enfin, il fallait pas en attendre autant de moi. Le cadavre découvert 11, donc je suis pas discret. Qu'au général, bordel total. Pièce trouvée, tableau, hôtel de l'outsider, charme d'os. Donc vous voyez, je n'ai rien trouvé quoi. Voilà. Ça a été comme il faut. Voilà, on a le chargement. Et je vais vous laisser pour cette émission sur Dishonored. On se retrouvera pour la prochaine émission. C'était super sympa d'avoir fait ça en votre compagnie. J'essaierai de faire un peu plus de cœur et de runes. Je pense que sinon ça va me porter préjudice pour le reste de l'aventure. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vais me diriger vers la berge, là maintenant, ici. Et je vous laisserai. Par contre, la madame, là, elle va pas être contente du tout parce que j'ai tué son gars. Voilà, elle va me tomber dessus. Hein. Ah, ça, c'est clair et net. Voilà, elle va me faire la peau. Hein. Voilà. Bon, il est l'heure pour moi de vous laisser. Je vous dis merci. N'hésitez pas, un clic en trop. YouTube, partagez, likez, commentez. Salut, c'était Naiden sur Dishonored. On se retrouve bientôt. Salut.